Un podium qu'ils fêtent comme les grands. Ils n'ont pourtant pas plus de 13 ans. Après une saison difficile, le Rouennais Tom Langlois vient de remporter la Coupe de France chez les cadets. Et comme tous les enfants qui pratiquent le karting, il rêve déjà de Formule 1. J'adore le sport automobile, l'adrénaline, la course, la vitesse. Et en F1, t'es à 300 km/h sur des circuits, alors j'aimerais beaucoup essayer un jour. Matteo Dauvergne est arrivé deuxième sur cette Coupe de France, mais il est devenu champion de France il y a 3 semaines. La Formule 1, c'est aussi son objectif, mais il sait que la route est longue. Il y en a plein, ils l'ont fait, donc c'est possible. Il faut quoi pour ça? De l'argent, être bon, et voilà. Le rêve de Formule 1, c'est beaucoup de prétendants pour peu d'élus parmi ces jeunes. Reste que la plupart des pilotes de Formule 1 ont commencé par le karting dès le plus jeune âge. Pour moi, si vous ne sortez pas du karting, vous ne pouvez pas être un bon pilote de F1. Pourquoi ? Parce que y a des réactions qui se font, il y a de la vision, il y a du mental. Sur ce même circuit, le Rouennais Pierre Gasly a fait ses débuts en karting à 8 ans. Aujourd'hui, c'est un pilote de Formule 1 reconnu. Sa mère reste présente auprès de la jeune génération. Ils ont toujours des exemples de grands. Et j'espère que Pierre sert d'exemple à tous ces petits bouts de choux parce qu'ils sont tellement mignons. Ah, ça me rappelle des souvenirs de stress quand mon fils faisait de la compétition à Anneville. Et des petits bouts de choux qui se battent comme ça, c'est toujours très stressant pour les mamans. Tom et Matteo comptent poursuivre leur rêve. Prochaine étape au mois de décembre, ils seront à Bahreïn avec les meilleurs pilotes mondiaux.